Pour mettre en place une fin de semaine pour créer l'étincelle et faire en sorte que tu sois inarrêtable. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Oui oui Nicolas en direct de Montréal, c'est maintenant. Sparkle Show, bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus. On est ici en direct des bureaux et des studios de production de Globe à Montréal. On est bien content que la neige soit arrivée ici. Oui, oui, si vous écoutez cette émission en rediffusion au mois d'août, sachez qu'en ce moment même... Un magnifique manteau blanc a envahi les rues et les parcs de Montréal. L'ensemble du Québec est juste féerique. On est fin prêt pour les fêtes de fin d'année. On adore ça. On est des grands enfants. Soyez les bienvenus, les amis, dans cette émission. Qui est tous les jeudis en direct, 19h heure de Paris, euh, euh, 13h heure de Montréal, et il est très exactement 13h03 en ce moment ici à Montréal. Soyez les bienvenus. On sort d'une aventure juste incroyable, vous devez le savoir si vous ne me connaissez pas. Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe. Euh, nous sommes aujourd'hui les numéros 1 dans la francophonie en termes de leadership, d'entrepreneurship, de croissance personnelle et de développement personnel. On a accueilli cette année un nombre incroyable, et c'est un beau problème qu'on a eu de participants de par le monde. Vous étiez issus de plus de 67 pays dans le monde. Euh, quand on cumule l'ensemble des participants de la tournée 110, je dois vous dire que Paris, c'était assez... Yeah ça veut dire grand en japonais, euh, c'était vraiment beaucoup de monde, oh, on, on s'est amusé, on était une bande d'amis à Paris, 7000 participants, euh, quand même on était content, et ensuite on a enchaîné sur la tournée 110 à Montréal, c'était juste exceptionnel, les participants cette année étaient en feu, je vais vous dire un truc, ne le répétez à personne, mais quand j'ai amorcé euh, ces conférences sur une forme nord-américaine avec une pédagogie européenne, ce doux mélange qui m'est propre, eh bien, euh, beaucoup de gens me disaient, quand j'ai commencé les premiers séminaires avec cette forme-là, c'était. Euh, c'était il y a plus de 18 ans. Euh, tout le monde me disait, tu sais, ici au, à Montréal, au Québec, ça marchera très bien, on connaît ça depuis 50 ans. Mais tu sais, si tu fais ça en Suisse, en Belgique. Au Luxembourg ou en France, les Européens vont pas accrocher avec ça. Tu sais une forme très ludique, très interactive, où tu obliges entre guillemets les gens à parler avec des inconnus, à, à, à réfléchir, à partager leurs réponses. Ils vont pas aimer ça. Ça c'est pas leur truc Entendez parler. C'était trop coincé. Je leur ai dit non. Les Européens sont pas du tout coincés. C'est juste une question d'habitude, de forme et de compétence aussi d'expertise. Une fois qu'ils vont voir l'expertise et la compétence, ça va accrocher. Non non non, ça marchera jamais. À Montréal, au Québec. En en Amérique du Nord à Miami où je vais de temps en temps ça marchera très bien mais jamais en Europe et euh, c'est assez étonnant de voir à quel point Paris vous avez mis le feu dans la salle on était Parc Expo c'était immense. C'était un vrai défi, ce plan technique, pour nous, je dois vous le dire, vraiment. On a eu à un moment donné une petite coupure de courant de la ville de Paris. Mer merci, merci, c'était un beau test. Merci beaucoup, la ville de Paris, je vous aime. C'est la première ville au monde la plus visitée et vous me coupez le courant. Mais c'était un beau test parce qu'on, on, finalement, on a, on a vraiment encore plus fusionné. Tous ensemble. C'était vraiment extraordinaire. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir sur Internet parce qu'on a un autre événement qui arrive. Parce que je reviens. Tu sais quoi On, On a juste fait une mise en bouche. C'est fin mars à Montréal, prenez des notes, fin mars à Montréal et avril prochain à Paris. Donc mars à Montréal et avril prochain à Paris. Je reviens. C'est quoi c'est dans 100, un peu plus de 160 jours, c'est ça dans 170 jours. Je reviens vous voir à Paris et je reviens ici et je resterai chez moi à Montréal. Cette fois-ci, c'est pas une journée, c'est c'est pas deux, c'est trois journées cette fois-ci. On sera trois jours. Pour un événement incroyable. C'est le plus puissant euh, qui existe dans notre entreprise de coaching et de formation, reconnu organisme de formation ici au Canada. Euh, ça s'appelle le Weekend Spark. Euh, le Weekend Spark. Alors, euh, ici au Québec, on dirait la fin de semaine Spark. Mais même Spark, c'est un mot anglais. Donc, désolé pour l'anglicisation. Vraiment, on est désolé de cela. Mais ça, c'est vraiment une marque. Ça s'appelle le Weekend Spark. Et l'abréviation, c'est Wes. Donc, vite, prenez des notes. J'ai pas pu venir à la tour des 110, j'ai pas ma, ma tante, ma voisine, j'avais mal aux pieds, j'avais mal. Ah, c'est bon, c'est bon, on a compris, te, te casse pas. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si tu as trouvé une excuse pour ne pas venir à la tournée 110, tu es monsieur, madame, excuse dans tous les strates de ta vie, tu peux faire ce que tu veux. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Non, mais parce que c'était exceptionnel, pas du tout. Dans ta vie, tu prends que des excuses. Si tu as décidé de cesser les excuses, viens au Weekend Spark. C'est en mars prochain à Montréal et en avril prochain à Paris. Donc venez au Weekend Spark ces trois jours. Vous voulez développer euh, vos finances personnelles, vos revenus, votre carrière, vos affaires, votre confiance, vous libérer de boulets, de peur que vous avez depuis des années. Et enfin... Développer votre business à 110%, venez travailler avec nous pendant trois jours. C'est exceptionnel. Vous avez zéro risque. Si à la fin de la première journée, pas juste au bout de deux heures, hein, tu as une journée entière pour tester. Si ça te plaît pas, tu es remboursé, remercié. Au revoir et bonne continuité. Donc, venez au Weekend Spark vous avez zéro risque. L'entracte à la tournée 110, vous l'avez vu les amis, hein il y a des gens qui me connaissaient pas qui disaient je ne suis pas sûr, hein, si ça me plaît pas, je me fais rembourser. Mais est-ce qu'on peut se faire rembourser Parce que personne ne le fait, le remboursement au cinéma, tu te fais pas rembourser, au restaurant, tu te fais pas rembourser. Dans une formation traditionnelle, tu ne rembourses pas, personne ne rembourse. Je vais voir, je ne sais pas, moi, Lady Gaga en concert, si ça me plaît pas, on me rembourse pas. Je vais voir Bruel en concert euh, à l'Arena de Montréal ou à Paris, où on me rembourse pas si ça me plaît pas. Non, mais nous, on fait. Mais tu crois que tu vas rembourser Oui. Après, on fera en sorte que vous ne puissiez rien acheter chez nous parce qu'on ne veut pas que vous soyez déçus deux fois, mais vous, vous avez zéro risque. Vraiment zéro risque. À la tournée 110, l'entracte était à 18 heures, c'est-à-dire aux trois quarts de la tournée 110. Pas à la moitié, pas au bout d'une heure. À la tournée 110, tu as vu jusqu'à la fin de l'entracte pour te faire rembourser ton billet. Il y a zéro piège chez nous. On a vraiment du fun, du plaisir. On est très, vraiment mais très à cheval sur votre capacité d'avoir un maximum de plaisir et surtout de sécurité. La tournée 110, ça a commencé à 13h. L'entracte, il, il avait lieu à 17h. Et on a terminé vers les 20h. Donc, pour vous dire à quel point on est dans, dans, déjà dans une grande générosité, on parle de remboursement à l'entracte. C'est juste symbolique puisque c'est quasiment à la fin l'entracte. Et. Euh, et je peux vous dire que vous nous l'avez bien rendu, parce que ce qu'on a vécu durant ce temps fort, c'était juste tous les jours, si je pouvais, je. Bon, peut-être pas en termes d'énergie, mais je revivrais ce qu'on a vécu ensemble, c'est fusionnel. Alors après, euh, évidemment, c'était immense. Hein. Bon, voilà, donc euh, c'est sûr qu'on n'est pas une bande de copains de 35 dans une salle, c'est certain. N'oubliez pas non plus, euh, dans, dans les beaux, belles surprises de fin d'année, le, le magazine, la nouvelle édition du magazine Franck Mag. Ça y est, la nouvelle édition est sortie. Vous l'avez sur notre site internet. Vous avez à l'intérieur un dossier sur les neurosciences, comment combattre la dépression saisonnière. Vous avez aussi euh, un dossier sur les relations, leçons d'amour, de quelle façon vous pouvez maintenir euh, l'engagement sur la durée dans votre couple. Beaucoup de gens pensent qu'au bout de 10 ans, tout se fane, tout s'arrête de la sexualité à, à, à l'amour propre jusqu'à la liberté jusqu'au plaisir d'avoir de, de l'aventure dans le couple c'est faux il existe des méthodes on vous en parle dans un dossier spécial et vous avez aussi euh, trois dossiers spéciaux sur l'argent comment faire de l'argent en dormant pourquoi l'argent fait peur l'argent fait-il le bonheur les dossiers spéciaux de la rédaction aussi et puis vous avez aussi euh, un dossier sur cette clés comment euh, démarrer en immobilier comment augmenter votre patrimoine une étape à la fois donc ça c'est Franck Mag vous l'avez sur notre site internet globe.ca et vous pouvez le commander, vous le recevez à la maison. Voilà. Bon, très bien. Alors aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous dire, quand même ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Aujourd'hui, de quoi on va parler Ça s'appelle Abondance illimitée. C'est la thématique de cette émission qui a une nouvelle fois une forte promesse, c'est vrai. J'aimerais très rapidement, en moins de 5 heures, bon, non beaucoup plus rapidement, allez, on va dire en 30 minutes, 40 minutes, vous donner quelques éléments de réponse pour, euh, pour vous faire comprendre que oui, il y a eu un livre à l'époque qui s'appelait Le Secret dans les années 90 qui a fait un grand boom. C'était d'abord un livre marketing. C'est le premier livre de l'histoire qui s'est vendu autant de bouche à oreille et euh, il a fait euh, il a réveillé des vocations notamment dans la profession mais il a fait beaucoup de dégâts ce livre parce que beaucoup beaucoup de gens ont mal interprété ce livre en pensant que juste par la pensée tu pouvais réussir ta vie, être très heureux et avoir de l'argent immédiatement. Alors que le bonheur, avoir tout ce que vous voulez, tout cela c'est un entraînement, ça, ça, ça demande du temps. Parce que votre cerveau, il, il date de 2 millions d'années. Il n'a pas été fait votre cerveau pour vous rendre heureux. Pour être heureux, il faut faire un effort. Et pour attirer l'abondance dans sa vie, Contrairement à ce livre qui vous laissait à penser plein de choses, euh, écrit par Ronda, enfin en tout cas euh, géré par Ronda, parce que c'est pas elle qui a tout, genre, tout écrit là-dedans, c'était un vrai livre marketing. C'est chouette sur le plan du business, de l'entrepreneuriat, je suis très content pour cette dame, c'est vraiment chouette. Mais si vous regardez les coulisses de la production de ce livre et, ce, euh, et les résultats auprès de beaucoup de gens, eh bien ça a créé des, parfois des vilaines situations. Ne croyez pas que cette émission va vous dire que vous pouvez avoir une abondance illimitée, vivre dans l'abondance facilement, tout de suite et maintenant et sans effort. C'est faux, vous n'êtes pas à la bonne porte. Je ne suis pas un marchand de rêve et je n'ai pas envie de vous laisser à penser que vous pouvez perdre du poids sans aucun effort, facilement, juste par la pensée avec le régime extraordinaire à 49 euros, 49 dollars 50. Je ne veux pas vous dire ça. Et le style de cette émission, vous, vous le connaissez maintenant, c'est vraiment comme si on était dans un salon à discuter, on prend l'apéro tous ensemble, euh, un bon jus de fruit frais, évidemment, Mais, euh, et puis on, on discute et je, vous, et je vous partage des éléments de réponse pour vous aider et vous partager aussi mon, mon expertise et mon expérience. C'est la thématique de cette émission, Abondance illimitée. Je vais vous donner neuf façons très simples d'attirer l'abondance. Je parle à aucun moment d'ésotérisme et de magie. C'est tout sauf de la magie de l'ésotérisme. Je suis un coach, un stratège en développement de leadership et d'affaires. Et je suis tout sauf euh, euh, nébuleux. Je suis, il n'y a pas plus pragmatique que moi. Donc, ce que je vais vous dire, ça a marché dans ma vie pour des dizaines de milliers, pas des centaines, mais des dizaines de milliers de mes étudiants dans le monde. Euh, vous le voyez, de la tournée en décès, c'était plus de 60 pays réunis. Et ça marche. Mais ça marche pour des gens qui acceptent de retrousser les manches. Et ne pas abandonner et de continuer de faire des efforts. Si ça ne vous intéresse pas, arrêtez tout de suite le podcast parce que ce que je vais vous dire demande de l'effort. Je répète, c'est pas de la magie, ça demande de l'effort. Mais vous pouvez, je vous le garantis, vous aussi vivre, comme moi, je l'ai découvert il y a très longtemps, dont l'abondance est illimitée. C'est illimité l'abondance. Et je vais vous donner quelques éléments de réponse. Premier, premier élément. Comment vivre de... et puis laissez-moi des commentaires une fois que vous avez bien compris un truc. Vous renotez les clés aussi pour des gens qui arrivent en direct. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, c'est quoi la clé numéro une? Ça, c'est un truc assez cliché. qu'est-ce qu qu'il a dit? C'est quoi la clé numéro une? Et, euh, et je trouve ça chouette parce qu'il y a des gens qui écoutent pas du tout ce que je dis. Je trouve ça vraiment chouette. Bon, allons-y. Bon. Et vous laissez dans les commentaires, vous, 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 vous aidez entre vous. D'accord? Ça sert à ça les médias sociaux. C'est chouette. Premier élément de réponse. Oui, il est possible de vivre dans un état d'esprit d'abondance illimitée. D'abord, tout commence par votre esprit. Vous ne pouvez avoir physiquement ce que vous n'avez pas vu, ressenti et vécu intérieurement. Je ne dis pas que cette émission est pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très très cognitifs, cartésiens, 1 plus 1 égale 2. Et là, évidemment, on parle de psychologie. Donc c'est un peu, un peu plus compliqué lorsqu'on arrive dans une émission comme celle-ci et qu'il faut sortir un peu du rationnel, se projeter travailler sa créativité. Vous ne pouvez pas avoir dans la vie une maison, une voiture, un très bon salaire, avoir du charisme, avoir un poste, si vous ne l'avez pas déjà obtenu de l'intérieur. Si vous, si vous pensez que vous n'aurez jamais plus d'argent dans votre vie, je vous garantis que vous n'aurez jamais plus d'argent dans votre vie. Si vous pensez que vous ne pouvez, vous ne pouvez absolument pas trouver l'homme ou la femme de votre vie, je vous le garantis, vous ne la trouverez pas ou vous ne le trouverez pas. Et ça, c'est pas irrationnel, ça. C'est un fait. Si tu fermes les portes, personne rentre chez toi. Ça va tu, tu comprends physiquement Tu te prends une porte Bon, bah ben c'est la même chose dans ton esprit. Donc la première des choses pour ressentir de l'abondance illimitée. Désolé si je suis un peu rude, hein, mais je veux vraiment pas vous faire pas de votre temps. Première des choses, commencez par votre journée. Alors, je ne sais pas si euh, vous, euh, vous connaissez l'agenda 110, mais c'est un euh, c'est l'outil que j'utilise moi-même et on vous l'envoie de Montréal dans le monde entier. Euh, c'est un outil qui dure deux mois. C'est deux mois. Euh, c'est pas juste une semaine et c'est pas juste un agenda lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, non. Vous avez un programme de coaching vidéo qu'on offre pour l'instant avec cet agenda. Vous en achetez un. Vous avez ce programme de coaching c'est un, un programme de vidéo de gestion du temps et des priorités et de progression personnelle, un programme de coaching qui, qui est d'un montant d'une valeur de 2000 euros, 2000 dollars. Et on vous l'offre en ce moment. C'est une belle période en ce moment, vous pouvez en profiter. Et c'est l'outil que moi j'utilise pour organiser et choisir mes journées depuis de nombreuses années, et je le rends public depuis, euh, depuis un, peu, un peu moins d'un an. Tous les matins, voilà pourquoi le lien avec cet agenda, je le fais, et tous mes étudiants le font évidemment, et les résultats sont phénoménaux. Commencez, si vous voulez, vivre dans l'abondance, commencez chaque matin par vivre dans un sentiment de gratitude. Là encore, les plus rationnels d'entre vous vont avoir du mal, hein? ils vont un peu buguer. Ça va faire un disque rayé, mais euh, donnez-vous un coup de pied aux fesses pour penser à cela. Alors, pour essayer d'être le plus rationnel possible, parce que je m'adresse à tout le monde, notamment aux plus rationnels, tu commences le matin. En, avec le stress dans le ventre, j'utilise des mots très très factuels, hein, très cognitifs. Avec le stress, avec euh, la préoccupation, je n'ai pas dit angoisse, c'est trop féminin, angoisse, non, préoccupation, avec énormément de dossiers dans la tête, et tu te lèves uniquement en pensant à ça, qu'est-ce que tu vas générer Est-ce que tu crois que dans ce sentiment de peur, tu vas voir les opportunités Absolument pas. Je vous donne un exemple, toujours très rationnel. Je fais très attention à cela. Euh, moi, ça fait des années que je, je, je fais du kickboxing, ce qui me fait du bien, c'est un, un sport extraordinaire. Euh, J'avoue que un peu, je suis un peu moins rapide qu'à l'âge de 20 ans, mais je fonctionne bien. Et, et notamment dans, dans des moments où, où on fait un peu de sparring, voilà, vous avez le casque, mais on se prend un peu des punches, des coups, c'est intéressant. Plus votre cœur accélère, et plus votre vision se réduit. Celles et ceux qui se sont déjà battus pour les garçons dans la rue, euh, ou ceux qui ont fait des sports de combat, vous le savez, et qui n'avaient pas l'habitude, vous le savez. Plus votre cœur accélère, et plus votre vision se réduit. Ce qui est dangereux, parce que dans le krav manga que j'ai fait un petit peu aussi, qui est un autre sport, et euh, eh bien vous regardez les gens qui sont derrière, hein, pour votre sécurité. Et c'est ça le danger. C'est que plus le stress augmente, je vous prends une, une, une image très très rationnelle, hein, d'accord, pour celles et ceux, en tout cas, beaucoup de garçons qui font ce, ce type de sport il oh, y a des femmes aussi bien sûr euh, plus votre cœur accélère et plus votre champ de vision réduit et ça vous allez sur internet vous le vérifiez en clair quand ton cœur bat à 150, 160 ou alors la grande peur la fuite, 180 pulsations minutes, tu ne vois que la personne, quasiment que les yeux de la personne en face tu vois même pas les mains qui, euh, qui vont t'en mettre une, tu vois que les yeux t'en peux plus, le nez, les yeux il n'y a plus rien qui existe autour et regardez bien dans des moments de colère des moments où vous avez été vraiment en pétard, fâché, hein? le cœur accéléré, etc., il n'y avait plus rien qui existait autour, vous étiez dans un funnel de colère, d'hystérie, et il n'y avait que la personne en face. Vous saviez même plus ce que vous avez dit, ou à quelle vitesse vous avez parlé, ou quelle était l'intensité de la voix. Pourquoi Parce que la situation, le stress, a réduit votre champ de vision. Pourquoi je vous donne cet exemple Pour vous faire comprendre pourquoi c'est important de vous lever le matin avec un sentiment de gratitude sans vous laisser manger par le stress. Parce que quand tu as le stress au ventre dès le matin, ton champ de vision se rétrécit que sur ton problème. Et puis rien n'existe. Si tu veux vivre dans l'abondance illimitée, j'espère que mon explication très rationnelle vous aide, tous et toutes, c'est que si tu veux vivre dans l'abondance illimitée, ça veut dire que ça commence de quoi on parle en ce moment, des opportunités. Si tu veux voir les opportunités autour de toi, la croissance, euh, si tu veux développer une créativité, dans la peur, tu ne pourras rien faire. Vous comprenez Le stress vous enlève toute créativité, tout champ de vision et toute opportunité de croissance. Vous comprenez cela voilà pourquoi je vous dis, il ah, y a des gens qui disent bah, c'est deux mois, c'est trop cher, c'est du papier, bah, moi je vais les faire sur mon cahier comme tu veux. Mais cette méthode de coaching, elle t'enlève justement de cette peur. C'est une méthode avec un programme offert de 2000, en ce moment on vous l'offre. Cet agenda, c'est mon bébé, je le mets à votre disposition. D'accord Donc c'est quoi C'est 20 balles, 17 balles et puis peut-être 20, 20 de, de, de shipping, d'envoi Datsit est un apport pour deux mois. C'est-à-dire que ce n'est même pas euh, 15 centimes par jour. Même pas 15 centimes par jour, ce truc sur deux mois. Non, c'est trop cher. Je préfère m'acheter une crème glacée à aller au restaurant. Moi, je sais où ça passe. Le, le, dans 24 heures, je sais où ça va finir, mon restaurant. Mais non, à l'agenda, non, non, non. Ça, c'est trop long. C'est trop dur. Non, c'est pas... Vous savez quoi que ce soit... Peu importe l'outil que vous allez utiliser, levez-vous le matin dans l'abondance, pas dans la peur. Soyez, dès que vous vous levez le matin, reconnaissant de ce que vous voyez de ce, que, de ce que vous avez, de ce pourquoi vous vous êtes battu. La plupart des gens, vous savez, euh, ne, ne bénéficient pas d'une grande abondance parce qu'ils vivent dans la peur, dans le stress. Beaucoup de gens me disent, alors pas trop dans mes séminaires, parce qu'en général, notamment durant le week-end Spark, on va vivre ensemble. Euh, la plupart des gens ont vécu déjà nos programmes en ligne, euh, ont écouté ces Sparkle chaud Donc, il y a déjà un travail qui s'est fait, une prise de conscience. Ce n'est pas des gens qui savent tout sur tout et qui ont raison sur tout. Et c'est toujours la faute des autres. Il y a, il y a une vraie humilité euh, de, des participants qui viennent nous voir. Donc, la plupart ne sont pas dans, dans le déni, mais, mais en dehors de, de notre environnement. Et déjà, vous êtes dans notre environnement en ce moment. Vous savez que 80% de programmes sont gratuits. Bienvenue au club. Il y a des gens qui disent, Franck, je peux pas avoir de la gratitude et je leur demande pour quelles raison ils me disent mais pourquoi tu voudrais que j'ai de la gratitude il n'y a rien qui va dans ma vie rien non il y a rien qui va dans ma vie tu veux que je sois reconnaissant pourquoi je suis au chômage je suis j'ai pas d'argent je, je galère j'aime pas mon boulot je suis seul je suis célibataire j'ai mal au pied j'ai des hémorroïdes ça, ça c'est vrai que c'est compliqué à gérer les hémorroïdes je, je reconnais mais blague mise à part la personne est intimement convaincue donc quand elle vous dit j'ai rien de pas de chance j'ai rien à déclarer comme gratif non non je, je, je reconnais sans de rien et elle le croit profondément et elle vous dit écoute moi je suis un adulte hein, j'ai des enfants je sais exactement ce que je veux hein. c'est un peu ésotérique ton truc la gratitude et, et, tout va mal dans ma vie et, je suis quelqu'un très rationnel je sais exactement ce que je dis, j'ai raison, c'est la vérité, c'est la réalité. Et elle est intimement convaincue de cela. Sauf que pendant ce temps-là, tu as des enfants qui sont élevés au Yémen, alors que toi, tu as été élevé dans un pays riche. Tu veux essayer de comparer deux secondes En Inde, le salaire moyen par mois, il est de 15 dollars. 77 cents par jour, quasiment. Euh, oui, je, je, c'est peut-être moins cher là-bas les dorés que dans ton pays de riche, mais, mais ouvrez un peu les yeux. Soyez pas si certains de cela de n'avoir rien à, à déclarer comme réussite et comme gratitude dans votre vie. Je ne veux pas aller plus loin, mais j'espère que j'ai semé une petite graine en vous pour vous faire comprendre que si vous voulez aujourd'hui euh, affronter vos défis. Augmenter votre productivité, votre créativité, votre engagement à 110% et appliquer ce que j'appelle l'effet 110, ma méthode depuis 15 ans et que j'ai enseigné en partie à la, à la tournée 110. Si vous voulez augmenter votre, votre énergie, votre créativité, votre niveau de production, il va vous falloir, désolé de vous dire, là, on, là on devient toujours très, très axé sur le marché du travail, mais il va falloir produire des idées. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, on ne va pas vous payer ou vous donner un avancement juste parce que vous vous plaignez tous les matins. Pas content, pas content, pas content. Mon, mon président, mon premier ministre, pas content, pas content. Pas, euh, pas juste la vie, trop dure la vie. J'en ai marre, j'en ai... Donnez-moi plus d'argent, moins de travail, plus d'argent, moins de travail. Injustice. Oh, oui, oui. Mais vous, vous brassez de l'air. Donc manifestez si vous voulez, mais en rentrant le soir. Bosser pour travailler votre avenir parce que ce n'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Donc, vous restez dans l'émotion, dans le, le, le tissu social, selon dans, dans quel pays vous êtes en ce moment, mais il y a des bonnes causes qui doivent être défendues. Oui, on aide les autres, mais si vraiment tu veux aider les autres, fais en sorte de payer des impôts sur le revenu pour payer l'école de tes enfants, toi aussi, et le bout de la route qui est devant chez toi. C'est-à-dire que plus de 40% des Québécois ici, et plus de 50% des Français, par exemple, ne payent pas d'impôts sur le revenu. Alors ils payent des taxes, les TVA, les TVA, les taxes municipales, etc. Oui, bien sûr, ils contribuent à leur façon. Mais notre pays a besoin de gens qui payent des taxes, des gens riches, en, entre guillemets, pour payer les écoles, la santé publique, et puis euh, les routes, notamment. L'électricité ne va pas participer à tout. Votre pays n'a aucun intérêt à ce que vous plantiez. Tout ce qu'il veut, lui, c'est que tu rejoignes ces magnifiques contribuables qui contribuent contribution, contribuable vous comprenez c'est pas juste une punition de, de, de payer des impôts, c'est d'aider les autres mais la meilleure façon d'aider les autres la meilleure façon d'aider les pauvres c'est de ne pas en faire partie fais ce que tu veux c'est pas politiquement correct mais tu veux pas uniquement demander des retraites et plus d'aide sans contribuer et en faisant chaque fin de mois un petit peu de blague, en disant bah de toute manière ça fait pas de différence ah, chacun à sa part mais pour cela, nous, vont, nous devons attirer l'abondance, que j'appelle l'abondance illimitée. Et la, la première étape, où j'ai passé beaucoup de temps, je ne vais pas passer autant de temps sur les autres, mais ce que je veux vraiment vous aider, c'est vraiment, je ne vous ai pas vu, et puis il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas venus à la tournée 110, donc je veux vraiment aider la plupart des gens qui m'écoutent en ce moment, mais ne tombez pas dans cette mélasse, moins je paye d'impôts, mieux c'est, euh, plus, plus je me plains et, et, moins, et plus je suis victime, plus on m'aimera. Laissez tomber. C'est 97% de, de ce club. Qui ne va pas vous tirer vers le haut et qui ne va pas se coucher le soir avec beaucoup de, de gratitude. Donc, première des choses, commencez chaque matin par un sentiment de gratitude. Je vous ai parlé de l'agenda 110, qui est un peu mon bébé, vous l'avez vu, mais trouvez le vôtre, trouvez votre méthode. OK? La deuxième des choses, développez une vision d'abondance. Si, alors là, j'en parle un petit peu, si vous vous dites, oh, j'ai pas de chance, dans cinq ans, ça va être galère ça va être encore plus difficile. Comment vous voulez progresser Est-ce que tu as envie de te lever le matin en disant je vais, encore, je, je, vais je, vais une, je vais encore vivre une journée de cul Je vais encore vivre une journée de cul Je vais encore m'emmerder aujourd'hui Je vais encore voir me, cette tête de mon patron ou de mes clients ou de mes collaborateurs et j'en ai marre, j'ai pas envie Vraiment Tu as envie de commencer ta journée comme ça, toi ou te dire, cette année, c'est sûr, je vais encore souffrir. Hum. Mais beaucoup de gens sont là-dedans. Et ces gens-là me répondent, mais pour toi, c'est plus simple. Mais pour toi, c'est plus simple. Tu as quatre entreprises, des salaires, tu voyages dans le monde, tu as des gens que tu sers sans arrêt. Oui, tu les sers gratuitement, mais tu as de l'argent, t'as que ça à foutre. Ah Ah bon. Les petits roquets, vous êtes... Avez... Sauf que je suis issu du bas de la classe moyenne, de la classe populaire, et que c'est cet état d'esprit-là qui m'a permis de grandir de créer des emplois, d'être un bon père de famille et de contribuer notamment, je vous en parlais, financièrement auprès de la société. Et aujourd'hui, ironiquement, ma société Globe, l'une de mes sociétés Globe ici, qui vous offre ce programme, contribue chaque année à financer des, des, des milliers de repas. Auprès de différentes associations, parce qu'on est une société participative, on n'est pas une grosse société de 6000 personnes, hein, mais on fait comme on peut. Et finalement, à la fin de la journée, une fois qu'on a travaillé en offrant notre, une partie de notre contenu, ou de notre contenu payant, euh, ou alors de, à reverser des dons, ben on, a un petit peu, on est des êtres humains qui avons apporté un microscopique, une microscopique amélioration sur la planète Terre. Et ça, ça nous remplit. Peut-être que pas, la, pas du tout la plupart des gens. Hein. Vous savez, dans, dans nos événements, on est des gens qui sont. Qui, qui viennent nous prêter main forte des étudiants et ils le font euh, avec, un, avec un immense cœur <coughs> mais on n'a pas 10 000 propositions hein. la vraie générosité vous aimez en bénéficier mais sachez la redonner aussi nous vivons dans un monde qui est beaucoup trop égoïste extrêmement égoïste tu je peux faire une émission bonjour merci à voir je suis ma pub et je m'en vais mais on veut vraiment vous aider on veut vraiment faire la différence et je crois qu'un être humain a besoin de cela de faire la différence le vrai salaud, à la fin de la journée, je ne suis pas persuadé, qu'il se regarde beaucoup dans la glace en disant ⁇ Ah 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 J'en ai baisé plus d'un aujourd'hui !⁇ Ou alors il y, y a une pathologie, vous voyez. Mais ça demande un effort d'être généreux. Ça demande un effort de faire des efforts. Et ça demande un, un effort aussi, c'est si l'option numéro 2, la clé numéro 2 pour avoir, vivre dans l'abondance, ça demande de développer une vision d'abondance. Tout le monde adore qu'on mette des articles tous les jours dans les dans YouTube, Facebook, etc., qu'on offre des... Mais qu'est-ce que vous offrez, vous, aux autres ben J'espère que vous faites la même chose auprès des autres, vous aussi. La vie, c'est donner, c'est pas prendre. La vie, c'est donner constamment, c'est pas prendre. Et je vais vous dire un secret, si vous êtes en business et que vous avez ce réflexe de générosité, vous deviendrez comme nous le numéro un. Quand c'est sincère, quand c'est pour la bonne cause. Croyez-moi, vous pouvez faire du business, vendre vos produits et vos services dont vous êtes fiers, qui vont vraiment aider les gens. Et gagner de l'argent et être généreux. Vous êtes gagnant sur tous les points et la personne en face de vous est gagnante et sur tous les points. C'est une idée reçue cela qu'il faut toujours qu'un seul gagnant. Il faut toujours deux gagnants dans un couple, euh, vie privée comme vie professionnelle toujours deux gagnants. Et quand les deux se rejoignent, là vous vivez dans l'abondance. Vous comprenez ce que je veux dire? On se retrouve dans un instant, juste après la pause, on continue sur abondance et limité. À tout de suite, les amis. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci. Après le succès de la tournée 110%, avec plus de 45 pays représentés par des milliers de participants venus du Québec, d'Europe et d'Asie, Franck Nicolas, le coach des coachs en leadership, revient à Montréal et à Paris avec le week-end Spark. WES, une expérience unique pour renforcer votre leadership et votre niveau de bonheur. Vous modifiez n'importe quelle vie, surtout la vôtre, en quelques secondes. Trois jours pour transformer tous vos défis en opportunités. Franck-Nicolas vous accompagne vers vos nouveaux projets de vie professionnelle et personnelle. De 30 heures de stratégie, d'ateliers et de partage. Un événement aux allures de concert de rock. Découvrez ce qui contrôle chaque émotion, chaque pensée et chaque décision. Rejoignez ces hommes et ces femmes passionnés, issus de plusieurs pays. Affaires, argent, relations et santé. Apprenez à surmonter vos défis personnels. Nous avons rencontré des hommes et des femmes. Qui ont décidé de repousser leurs limites. Trois jours de coaching pour mieux se connaître et vous permettre de renforcer votre carrière. Un week-end exceptionnel pour votre réussite. WES, l'événement international pour bâtir une vie plus forte et plus riche aux côtés du coach des coachs, Franck Nicolas. avoir une psychologie de, de gladiateur pour affronter tous les obstacles, tous les coups durs en permanence. Comment vendre plus vite et mieux, et surtout comment mieux comprendre la psychologie de son client. Comment gagner du temps avec le meilleur marketing actuel, parce que ça va vite. Voilà pourquoi nous avons créé ce que nous avons appelé le programme 110. C'est une formation unique en son genre, une formation continue axée sur l'engagement et sur la performance en affaires. Je veux parler de ce programme 110. Cette formation continue a été dessinée pendant plusieurs semaines pour des leaders qui ont peu de temps, qui ont besoin de tenir sur la durée, avec beaucoup de défis tous les jours qui se répètent, tout en optimisant leur prise de décision. Je vous le garantis, ce programme est nécessaire à votre business. Pour quelles raisons il y a une forte confusion dans l'esprit de 97% des gens qui perdent de leur temps et de leur vie Dans leur tête, désolé de vous le dire, mais c'est la totale confusion. La plupart des gens n'ont pas la bonne méthode de gestion de leur temps. De leurs priorités et ensuite ils ne sont pas focalisés sur leurs résultats. L'agenda 110, c'est la méthode de planification rapide. C'est un véritable outil d'auto-coaching. Vous êtes à la maison, vous êtes au travail et vous avez besoin d'avoir un coach, un mentor et plus que ça, un cap à suivre. Et c'est ça son rôle. C'est un outil de gestion de vos priorités simple et puissant et surtout complémentaire de mon ordinateur et de mes rappels de mon cellulaire pour avancer, pour garder le cap, pour prendre du recul. Vous vous pouvez le considérer comme un système de planification de résultats, si vous voulez. C'est un document qui donne vie à mes idées, qui donne vie à mes projets. Et quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Spark, le show avec Franck Nicolas en direct de Montréal, c'est maintenant. Allez, de retour ici de, dans les studios de Globe à Montréal, soyez les bienvenus. Nous parlons d'une abondance illimitée. C'est la thématique avec une forte promesse, je vous l'avouais tout à l'heure, au début de cette émission. Euh, neuf façons d'attirer l'abondance dans votre vie. On en parle maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu De quelle façon vous pouvez euh, attirer l'abondance La première façon, c'est de commencer chaque journée avec un sentiment de gratitude pour ne pas vous lever dans le stress qui va couper toutes les opportunités de croissance. D'accord Tout commence dans la tête. Deuxième des choses et dans le cœur. Deuxième des choses, développer une vision d'abondance. Ça veut dire, projetez-vous dans l'avenir, pas uniquement comme vous le faites dans la négativité, parce que c'est ce que font les gens. Nous vivons dans une société d'ironie, où il est de bon ton d'être négatif. On est branché, on est cool, on est in, on fait partie du club des cons quand on est négatif, sans aucune raison. Comment ça va Ça ne va pas. Pourquoi Je ne sais pas. Oh, je comprends. Comment ça va Je vais super Génial J'ai la pêche à 110% Wow, 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 il est fou lui ou quoi là oh, wow. Et là, vous paraissez anormal. Il est anormal d'être joyeux sans aucune raison dans notre société. Mais il est normal de prêcher les mauvaises nouvelles et d'être mal dans sa peau. Là, vous êtes dans la norme. Bah, cette fucking de norme, je n'en veux pas. À vous de voir. Donc, voilà pour, pourquoi je vous disais développer une vision d'abondance. Hein, vous projetez. Troisième des choses, enrichissez votre façon de penser. La troisième façon d'enrichir, d'attirer l'abondance dans sa vie, émotive, relationnelle, spirituelle, physique et financière. La troisième façon, c'est d'enrichir votre façon de penser. Oui, mais là j'ai écouté son truc là de Sparkle Show, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord sur rien, et, et il fait, sur une heure de Sparkle Show, il n'y a rien d'intéressant pour moi, c'était que nul, rien. D'abord c'est nul, et puis la vie c'est nul, et puis tout est nul, et puis je me trouve tellement fun d'être négatif, je suis tellement bien dans ma négativité, je me sens tellement bien, oh c'est bon de dire qu'il y a d'autres façons de prendre son pied, d'accord Donc euh, la masturbation négative, vous laissez tomber, vous, vous, vous changez d'outil ou d'objet. Vibrant. Mais ce que je veux dire, c'est prenez quelque chose de positif. Euh, prenez de la vibration positive, si vous voulez. Mais troisième point, enrichissez votre façon de penser. Écoutez bien, écoutez bien et peut-être, prenez des notes sur ce que je vais vous dire. Les gens riches, les gens riches vivent dans un monde d'abondance. Les gens pauvres vivent dans un monde de limitation. Hashtag Franck Nicolas. <laughs> Je répète, et notez-le, les gens riches de cœur, d'émotion, spirituellement, de, de pensée, de positivité ou de finance, la richesse c'est très large, et je ne sais pas quelle est votre définition, mais les gens riches vivent dans un monde d'abondance, de possibilités. Les gens pauvres, intellectuellement et financièrement, vivent dans un monde de peur et de limitation. Et c'est toute la différence. Quatre, vous savez, les... Les 97% de la population, j'appelle ça le club des 97%, les 97% pensent qu'il n'y a absolument pas le moyen de, un jour de faire le tour du monde. Les 3% trouvent le moyen de le faire. C'est tout. Un 97% se dira c'est impossible. Le 3% dira comment je vais faire Et Il trouvera le pourquoi d'abord pour le faire. Les 97% sont habitués à être négatifs. Je le disais en plaisantant, les 97% sont habités dans, par un état d'esprit basé sur, ça va vous choquer, mais sur le principe de la peur. La fondation première d'un 97%, c'est la peur. Alors que, et puis souvent, il, un 97% vous dira, vous avez compris, l'image est une métaphore, d'accord Mais un 97% va vous dire, ce sera, euh, j'en sais rien, moi. Euh, il, va, il va dire des mots comme soit ou. Soit c'est ça ou c'est ça. C'est ça ou ça. On ne peut pas avoir, par exemple, il vous dira tu ne peux pas gagner de l'argent, c'est l'argent ou la famille. C'est le travail acharné ou la santé. Vous comprenez Un 97% va constamment se limiter avec des, des ou ou avec des soi. Alors que. Le 3% va dire ⁇ Et, on peut avoir un très bon travail et la santé, une très belle famille et une belle vocation. Et ⁇ Et Vous comprenez l'état d'esprit C'est pas du tout ésotérique, ça, c'est pragmatique. Quel est votre état d'esprit ?⁇ Ouais mais c'est plus facile Vous entendez toujours cela, c'est plus facile pour toi et là, déjà, quand on va vous dire ça, vous avez déjà fait un bond en avant. Les 3%, vous savez, comprennent finalement que l'immense pouvoir de la créativité et de l'engagement à 110%, c'est la solution. Ne croyez pas que nous sommes tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. D'ailleurs, je dis en plaisantant une cuillère en or dans la bouche. L'expression, c'est une cuillère d'argent. Mais on n'est pas tous nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il y a des fils de millionnaires et de milliardaires. Oui, oui, oui. Mais c'est une anecdote. Quand vous regardez les presque 8 milliards d'êtres humains, on a tous eu un passé moyen. Moi, je suis issu de la classe populaire. Je l'ai caché longtemps, d'ailleurs. Mais j'en ai pas honte de le dire. Et je me suis jamais fait tout seul. On ne peut pas dire ça, puisque je... les autres m'ont aidé à grandir. Mais j'ai d'abord changé mon état d'esprit. Vous savez, les 3% comprennent qu'il ne faut pas chercher à être conventionnel. Là, je vous, je, je vous fais pas une émission conventionnelle. Elle est vraiment réservée à, à certaines personnes. <laughs> c'est pas pour tout le monde cette émission. Il y en a d'autres qui vont préférer plutôt d'aller sur Netflix en ce moment, ou faire un jeu vidéo, ou boire un, une bonne bière ou une trentaine de bières. Ça, c'est pragmatique. Et, et le lendemain, ils se plaignent. Quoique, peut-être suivre cette émission avec un bon verre. Hein. Je n'ai pas dit l'inverse. Mais vous savez les Blague mise à part, les 3% gardent un état d'esprit ouvert et non fermé. Les gens sont aux antipodes de cela. Les 3% gardent un état d'esprit ouvert aux opportunités, au lieu de voir des cloisons. Vous devez avoir une approche mentale comme celle-ci qui va faire complètement la différence dans votre vie, pas, pas dans une heure, je vais vous dire la vérité. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans. Peut-être que pour... Certaines célébrités, regardez Harrison Ford, George Clooney, pour ne parler que, que d'acteurs de, de, à Hollywood, mais ils, ils, ils ne se sont révélés que très tard. C'était des acteurs de catégorie D, puis C, puis B, puis A. Mais ça ne s'est pas fait en 10 ans. Regardez leur carrière. Francis Ford Coppola, tu crois qui euh, qu qu bon, qu qu a fini en banqueroute aussi d'ailleurs, mais il, il a mis des années et des années et des années, ce réalisateur, à produire, à percer. Et tout ce qu'il disait, c'est « j'ai essayé de faire des petits boulots pour maintenir mes finances, pour essayer de survivre », mais il n'a pas lâché, il n'a pas abandonné. Regardez autour de vous, ne pensez pas que c'est plus facile pour les autres, ça demande plus de persévérance. Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes un 3% qui passe à l'action et qui vit dans la croissance Oui, non Ou alors vous allez me dire, oui mais c'est pas... Non, euh, si vous me répondez avec des excuses, ça ne marchera pas déjà. Vous avez déjà votre réponse à vous-même. Est-ce que vous êtes un 3% qui vivait dans l'action et dans l'esprit de croissance That's it. Ou est-ce que vous êtes un 97% qui reste un bon théoricien, qui va commenter l'actualité, son voisin, les stars et sa propre vie et avoir une pensée toujours basée sur la peur constante. À vous de voir. 3%, 97%. Dans quelle, quelle catégorie vous êtes Quatrième point, je vais aller très très vite. Donnez de la puissance à votre réalité. La réalité n'est que celle que vous déclarez. La réalité n'est que celle que vous déclarez. Écoute, c'est la réalité et je vais te dire oui, tu as raison. C'est ta réalité, je le comprends. Vous savez, je ne cherche même pas à argumenter quand je vois des, des, des gens qui sont opposés à, à la croissance personnelle. Je leur dis, vous avez raison. Et même quelqu'un qui m'a dit une fois, je ne vous aime pas, je leur ai dit, vous avez raison. Elle qu'on allait attaquer un dialogue, un échange, mais c'est stérile, je n'ai pas de temps à perdre. Je vous aime pas. Dans la rue, elle me disait, je vous aime pas. Merci, madame, bonne journée, vous avez raison. Ah, ah ok. okay. Ben, bien sûr qu'elle a raison. C'est sa propre réalité. Et puis, je n'ai pas forcément envie de plaire à cette dame. Si elle même pas, je continue mon chemin. Je... C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il va falloir vous arrêter de perdre du temps. Vous croyez que vous allez plaire à tout le monde, vous Non Donc, c'est à vous de forger votre propre réalité. Et ça, c'est l'un des grands secrets de l'abondance illimitée. Forger votre propre réalité. Mais vous choisissez votre réalité. La réalité est subjective, vous comprenez Chacun sa réalité. Alors après, vous allez me dire, il y a la loi, il y a la justice. Il y a encore, C'est très subjectif selon les juges et, et les gens qu'il y a derrière eux. Mais, mais oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, dès qu'on parle de justice, on parle de, de subjectivité, forcément. Hein? Ça dépend d'être humain, de, de leur avis, ou d'un jury. Mais la réalité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Quand vous dites, c'est la réalité, le marché du travail est difficile, mais c'est ta réalité à toi. Parce qu'en 2008, quand tout le monde perdait de l'argent, tu as les 3% qui n'ont jamais gagné autant d'argent en rachetant des actions à bas prix. Donc c'est ta réalité. Ouais oh, mais ça c'est les riches. Ah intéressant. Et là vous décortiquez. D'accord Donc donner, numéro 4, quatrième façon d'attirer l'abondance à vous, euh, donner de la puissance à votre réalité. Cinquième point. Cinquième façon, cesser les excuses. Alors vous avez compris que je vous ai lancé un appel du pied depuis le début de cette émission sur les excuses et je revenais souvent sur ce mot. Et pourquoi et Parce que le cinquième point, c'est d'éviter ce mot. Je ne suis pas contre les excuses, je ne suis pas un fanatique, à opposé aux excuses. Tu peux en avoir des excuses. Non, je parle du syndrome de l'excuse, de l'excusite de chronique. De quelqu'un qui n'est jamais responsable. Tu lui dis quelque chose, instantanément par mail, par téléphone ou en face, va te trouver une réponse qui justifie. Toujours. À partir du moment où tu utilises l'excuse dans ton quotidien de façon chronique et automatique, il y a un syndrome qu'il faut dégager. Lorsque et, et, et de temps en temps, je ne suis pas contre. Oui, bah là, je suis arrivé en retard, il y avait des embouteillages. OK. Euh, ça fait 30 ans que je prends ce chemin, c'est la première fois que je mets deux heures au lieu d'une heure. Ça peut arriver. Donc, c'est mon excuse. Ne vous fâchez pas, monsieur, rendez-vous, prenez-moi rendez-vous, achetez mon produit. Oui, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Mais quand tous les jours, c'est toujours la faute des autres, de l'environnement, du gouvernement, de la situation, du temps, ça fonctionne pas. Pourquoi Parce que lorsque tu dis. Lorsque tu prononces une excuse, tu dis à ton cerveau, qui va finir par le croire, que tu n'es responsable de rien. Et quand tu fais ça tous les jours, tu dis à ton cerveau comme message Eh bien, je n'ai pas la maîtrise de ma vie. En clair, je ne peux rien faire. En clair, je ne maîtrise pas. Et voilà comment les gens arrivent à dire La vie, c'est la chance. Si je n'ai pas de chance, je ne gagnerai pas. D'ailleurs, en parlant d'argent, aux États-Unis, on dit faire de l'argent, et en Europe, on dit gagner de l'argent. Gagner, on va gagner. Non, il faut le fabriquer, il faut aller le chercher, il faut le travailler. C'est les excuses, c'est la cinquième façon que je veux aller très très court dans cette émission. Mais J'espère que je vous aide un maximum. Sixième façon d'attirer l'abondance, vous avez vu que je ne parle pas de diplôme et d'argent et de compte en banque en ce moment. Cette émission est pour tout le monde. Hein Parce que tout ce que je vous dis en ce moment, vous êtes capable de le faire. Venez dans nos séminaires le Week-end Spark, on va vous aider à faire cela. Ou faites-le à la maison tout seul, ou attendez une trentaine d'années, vous verrez bien. Mais en trois jours, tu vas amortir ton billet 500 000 fois, si tu veux, dans ce week-end. Ce week-end Spark va révolutionner ta façon de penser. et va tout changer dans ta carrière et tes affaires. Et si c'est l'argent qui t'intéresse, ça commence ici. Donc, sixième façon, c'est, euh, attention à cela, utiliser, euh, et c'est la sixième façon, c'est utiliser à 110% votre potentiel. Vous avez deux choix. Soit vous, vous commencez à gravir le sommet pour l'atteindre, une étape à la fois, peut-être que ça prendra 25 ans, soit tu ne fais que commenter le sommet, commenter ta vie, commenter, utilise ton potentiel. Une fois que tu commences à gravir le sommet, tu ressens du plaisir, tu ressens de la progression et ça te motive. Oui, tu vas peut-être chuter sur de, la, sur de la petite roche, peut-être chuter sur des cailloux, oui. D'ailleurs, on chute, on trébuche sur des cailloux, rarement sur une montagne entière. Donc c'est souvent des petits obstacles et que tu vas apprendre à affronter, mais progresser. Donc soit tu, tu commences le chemin en utilisant tous tes muscles, et, tu te, et plus tu montes et plus tu te muscles, soit tu commentes le sommet. Soit tu es un 3% qui commence le chemin, et qui utilise ton vrai potentiel, tes muscles, ton mental, ta créativité, ton ambition, et tu la forges. Et une nouvelle fois, nos événements, nos programmes vous aident, vous faites le seul, débrouillez-vous, même si je sais que l'isolement est dangereux. Mais trouvez votre façon de le faire, mais utilisez à 110% votre potentiel, trouvez votre formule à vous. Septième astuce pour justement euh, attirer l'abondance à vous, c'est de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Cessez euh, de vous reposer sur vos lauriers. Alors je vais prendre deux minutes pour vous expliquer euh, le principe. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être très satisfait de ce que l'on a et s'arrêter là. Et je trouve que l'effet 110 que j'enseigne depuis des années ne nous démontre pas cela. Vous devez être constamment dans la recherche de, de progression, mais ne pas vous satisfaire de ce que vous avez. Et c'est là où je dois m'expliquer. Le principe, c'est vous vous battez pour faire un centimètre et vous arrivez le premier. Félicitez-vous. Vous avez un diplôme. Félicitez-vous. Vous avez réussi un défi. Donnez-vous donnez une bonne tape sur l'épaule. Yes, génial. Je prends un café, un thé. Oups. Et je dépense pas plus d'argent pour faire des bêtises. Et je suis content. Je ne banalise pas mon examen comme la plupart des gens. Parce qu'on a besoin de motivation dans la tête pour aller plus loin. Donc, je célèbre. Mais ce n'est qu'une étape. Je ne m'arrête pas là. Vous devez célébrer et, et apprécier chacune de vos victoires, mais ne soyez jamais entièrement satisfait au point d'arrêter l'ascension vers le sommet. Vous comprenez la nuance Soyez satisfait de ce que vous avez, célébrez, soyez fiers de vous, vous, vous êtes battu pour l'avoir, hein vous n'êtes pas arrogant ou arrogante, on, on est content de ce que l'on a. Notamment ici en Amérique du Nord, un peu différent de l'Europe, parce que est, on est francophone ici, mais on, on a aussi une, des valeurs complètement différentes, ici ou en Amérique du Nord. Lorsque vous vous félicitez d'une victoire, vous êtes mal vu, vous êtes perçu comme arrogant. On veut de l'humilité un petit peu. Mais au bout d'un moment, les gens ne célèbrent plus rien. Si vous saviez le taux de dépression qu'il y a ici en Amérique du Nord, vous tomberiez à la renverse. Et les gens souffrent terriblement de solitude. Parce qu'au bout d'un moment, on n'ose plus partager quoi que ce soit avec les gens, de peur d'être rejeté. Et on finit par se rejeter soi-même et finir seul. Attention à cela. Donc, vous célébrez vos victoires, n'ayez pas peur d'être. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la fierté, on a le droit, on a réussi, d'accord Mais ne soyez jamais entièrement satisfait au point de vous arrêter, vous continuez l'ascension maintenant. On, est, on a réussi le camp de base, yes On va aller prendre l'autre camp maintenant, vous comprenez Et c'est ça le secret de ne jamais se reposer sur ses lauriers. Ce n'est pas de, de se brûler, de faire un burn-out, de faire une dépression, ce n'est pas ça. Et beaucoup de gens tournent ça en dérision, évidemment, mais... Même après avoir atteint un objectif, vous passez à un autre objectif. C'est ça le secret. Comprenez que la vie, ce n'est pas atteindre un objectif ou un sommet. La vie est une question de progression permanente et de progression personnelle. Pas d'atteinte d'objectif. C'est la personne que vous devenez dans l'ascension qui va faire toute la différence. Vous comprenez Est-ce que le fait de ne pas apprécier ce que vous avez, ça fait de vous une personne ingrate un mais pas du tout. Vous n'êtes pas un être humain ingrat. Ça n'a rien à voir. C'est encore une bêtise de la, de la classe moyenne et des 97% qui ne sait pas du tout comment fonctionne le cerveau. On a besoin de se féliciter, mais on a besoin de maintenir la fin. Soyez totalement reconnaissant pour tout ce que vous avez obtenu, vos victoires et celles que vous venez de signer et tout ce que vous avez dans la vie. Soyez reconnaissant, oui. Donc on n'est pas ingrat, on est reconnaissant. Mais sachez que on ne veut pas non plus devenir complaisant et paresseux. C'est ça que ça veut dire. Ne devenez pas complaisant et paresseux sous prétexte que vous avez atteint une victoire ou, ou signé une victoire. On l'apprécie, mais on ne devient pas paresseux et on continue le chemin. Vous comprenez J'espère je, je, qu'aujourd'hui j'essaie de prendre des exemples vraiment très précis pour vous aider un maximum. Euh, et puis repassez-vous cette émission. Il y a beaucoup beaucoup d'informations aujourd'hui. Huit, euh, enfin comme d'habitude, je vous donne un maximum d'informations. Huit, huitième point ajouter de la valeur auprès des autres, aider les autres. Euh, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je fais en ce moment. Je vous donne un maximum d'informations pour aider tout le monde. Tout le monde. Et quand vous allez faire cela, comme mes entreprises, vous allez avoir une progression énorme. Vous, vous allez augmenter le chiffre d'affaires, gagner beaucoup plus d'argent et pouvoir créer plein de postes, plein d'emplois, comme on le fait nous, et redonner de l'argent à des associations. Et puis offrir votre contenu, puisque vous avez du temps, vous pouvez le, le redonner votre temps. Vous comprenez que c'est une roue la société et que si vous vivez dans, dans l'abondance, tout le monde en bénéficie. Et vous-même, c'est je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours deux gagnants, toujours deux gagnants. Et quand il y a deux gagnants, ça dure très longtemps. Donc, huitième façon, c'est ajouter toujours de la valeur auprès des autres. Je n'ai pas le temps de revenir trop, trop, trop en détail. Et puis, le neuvième point, c'est apprenez en permanence. Poussez-vous en permanence. Ce point-là, il n'y a même pas euh, juste 3% des gens qui m'écoutent vont comprendre ce que je veux dire. Ils vont le faire surtout. La plupart des gens vont dire c'était bien cette émission. Maintenant, je vais aller boire une bière ou un, je, je boire un café. Je vais boire un petit, un petit verre de vin. Qu'est-ce qu'il a dit C'était bien. Il était sympa ce gars avec la chemise noire. Il était bien. Non, bien bien. Qu'est-ce qu'il a dit J'en sais rien. Je m'en fous un peu. Alors, qu'est-ce que tu disais oh, La vie est pas facile. La neuvième façon pour attirer l'abondance à vous. Et puis, je pourrais parler pendant des heures, parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Et c'est pour ça qu'on fait des événements, honnêtement. Parce qu'on est plus de 30 heures ensemble. Vous êtes dans une énergie incroyable. Vous rencontrez des gens issus de plusieurs pays. Et ce week-end Spark, vous voulez pas le laisser passer. Passons trois jours ensemble. Imaginez ce que j'ai fait en une heure avec vous dans un fucking de podcast. Imaginez ce qu'on va faire en 30 heures. Et surtout en face à face. Et entouré de gens extraordinaires, parce que vous allez connecter, vous allez vous rencontrer durant vos amis pour les dix prochaines années. Mais apprenez en permanence. La plupart des gens ne veulent pas faire d'efforts. Ils sont très forts pour justifier le fait de ne pas faire d'efforts, mais ils font pas d'efforts. Apprenez constamment, lisez, écoutez des audios tous les matins. Retenez ceci. Je n'ai pas le temps de rester plus longtemps, mais l'entraînement ne s'arrête jamais. Retenez ceci. L'entraînement ne s'arrête jamais. Livres, audios, séminaires, conférences, rencontres, coaching, progressez en permanence. Nous vivons dans une société où les gens choisissent la facilité. Un téléphone portable, chaque jour. Vous le consultez en moyenne 85 fois. Pour quelle raison même si c'est votre métier. Pour quelle raison Parce qu'à chaque fois, vous avez un pic de dopamine et d'autres hormones du bonheur. Hop, ça génère du plaisir, à tel point que quelqu'un qui consulte 85 fois par jour son téléphone portable, au bout de 12 mois, sera dans l'incapacité de lire plus de 5 pages d'un livre de façon focalisée, concentrée. Pourquoi vous êtes en train de fucker votre cerveau en étant dépendant de cette boîte Donc c'est un outil de travail, c'est génial. Mais attention de ne pas être tributaire des machines et à ne pas choisir, peu importe ce que vous choisissez de faire avec cette machine, mais ne choisissez pas toujours la facilité, cherchez la progression. Et je, vous, et je vous invite, quelle que soit la façon, auprès de mes confrères, de nous, ou votre façon à vous de le faire, ou à la bibliothèque, les livres sont gratuits, mais choisissez en permanence la progression. Les amis, c'était neuf façons, notamment, rapidement, d'avoir et de vivre une abondance illimitée, vous l'avez compris, tout commence dans le cœur et ensuite dans la tête, à la semaine prochaine. Merci encore. La réussite dans votre business ne jamais le hasard. En fait, Franck m'accompagne euh, presque au quotidien. Après, ce n'est que de la psychologie. Tu crois en pas dans ton projet. Tu crois ou pas en toi. T'es gladiatrice ou tu l'es pas. Je pensais que j'étais pour faire faillite et puis là cette année, ben, j'ai doublé mon chiffre d'affaires dans les trois premiers trimestres. Tu connais ton marché ou pas. T'es sûr de ce que tu vas faire. T'embauches les bonnes personnes. Du leadership, tu les encadres, tu les formes, tu les accompagnes, tu les pousses, tu les motives, tu prends les bons vendeurs. Par rapport à l'année dernière, eh bien j'ai doublé mon chiffre d'affaires wow. voilà, et je suis partie d'affaires. J'ai fait grandir l'entreprise parce qu'un chiffre d'affaires qui dépasse le million. entrepreneur. Vous voulez plus de choix, plus de liberté Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.